deux nouvelles KTM. Ce sont des machines qui sont équipées du plus gros monocylindre 4 temps sur le marché, un pratiquement 700 cm3, qui développe la bagatelle de 74 chevaux, ce qui n'est pas rien. Alors la Supermotard, c'est une machine qui est prévue pour s'amuser en gros, donc c'est-à-dire qu'elle est très très joueuse, elle est légère, elle est puissante, elle freine extrêmement bien. En gros, elle est destinée à faire beaucoup de bêtises. Tandis que l'enduro, donc, vu sa cylindrée et son poids, elle, bien sûr elle est faite pour le tout-terrain, mais c'est plutôt pour la grande balade, pour les raids, même si elle ne dédaigne pas le côté technique, à condition de toutefois de posséder un certain bagage au niveau pilotage. Ces deux motos ont vu leur électronique complètement revue. Elles disposent maintenant d'un quick shifter, d'un traction control avec deux cartographies, également d'un ABS qui se déclenche sur l'angle. Donc elles sont vraiment tout à fait au goût du jour en matière d'électronique. Elles ont également de nouvelles suspensions et elles ont aussi un habillage qui a été revu. Voilà, donc courte présentation, mais tout ça bien sûr je vous propose de le découvrir dans notre prochain numéro de Moto 80. À bientôt.